Enfants, ma camarade, vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. À la page 22, on va continuer notre cours de lexique, l'ordre alphabétique. On va passer directement à la page 23 pour résoudre les exercices. Alors, le premier exercice, d'abord, j'écris chaque série de mots dans l'ordre alphabétique. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai deux séries de mots. La première série contenait ou bien contient 4 mots, la deuxième série contient 4 mots. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en ordre, يعني رتبوا هالكلمات selon l'ordre alphabétique. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, d'accord, dis la suite. Alors, comment je vais faire? Alors d'abord, je vais prendre les initiales de ces 4 mots. Les 4 premiers mots, je vais prendre leur initiale. باش كيبداو. Alors le père commence par P. Copine commence par C, voisin commence par V, étranger commence par E. On dit E accent, on a la grille, mais on dit E accent, on dit E. On a E. On dit l'accent, on a E. Alors, la grille alphabétique, la grille qui contenait les lettres de l'alphabet. Je connais qui est le wolf, wesh P ou la C ou la V ou la E. Alors, on chauffe A, B, C. Alors, C, il y a le wolf, et dans C, il y a le wolf. Je le mourra. Alors A B C D E moraha E il va dire E. Chno mor E. Quand j'ai dit V ou P. Nchouf fini V ou P. Haya P ou ha hiya V. Idan chkoun li sbaq wach P ou la V. Idan P hiya loula. Idan P ou moraha V. Alors hna ghadi nchouf dik sa3a nkteb lkalimat. Salah s'il te plaît le crayon juste 30 secondes s'il te plaît. Merci. Alors andina C. Lkalima ki comment alors le mot qui commence par C ou copine. Alors, après copine, on dit E accent lié E étranger. Alors, étranger, on dit, après, je vais mettre le mot qui commence par P, lié père. Et enfin, voisin. D'accord? Il y en a d'abord l'ordre alphabétique. Tiens, Salah, merci. Tu prends. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième série des mots. Alors, on dit B, on dit grand. Petit, blanc, noir. Alors, voici la méthode que je dois pratiquer pour résoudre cet exercice. Alors, là, je vais prendre les initiales. Alors, grand, grand commence par G. Alors, petit commence par P. Blanc, B. Noir, N. Alors, on dit qu'il y a 4 lettres, G, P, B, N. Alors, automatiquement, la première lettre, c'est l'ordre alphabétique. Il y a B, A, B. Il y a B, il y a alors, je n'ai B. A, il y a B. Après, on dit G, P, N. Alors, A, B, C, D, E, F, G. Il y a G, il y a Tania. Il y a G. Après, on dit N. B ou N. Alors, je vous fais une chose. L'alphabet, vous devez l'apprendre par cœur. Même si je dois être comme d'aïm, je suis un peu plus cher. Il y a ce que je connais, je suis un peu plus cher. L'alphabet, je suis un peu plus cher. Alors, on a d'abord créé comme la méthode qui va se faire. Alors, quand j'ai dit P ou N, alors je cherche le qui se bat. Je P ou la N. Alors, il y a dit N, il y a le ou la, add moraha P. Il y a dit N qui se bat P. Et donc, N, et enfin P. On a gagné un kchbo. Un kchbo, ça là, s'il te plaît, le crayon. Merci. Alors, le mot qui commence par B ou blanc. Il y a un ou blanc. Je vais mettre B, on dit G. Alors, je fais le mot qui commence par G ou grand. Alors, je vais mettre G, on dit N. Je fais le mot qui commence par N ou noir. Et enfin, P, il y a petit. D'accord? إذن هذه لا ميثود باش كنخدم تكون عندك حداك ورقه دائما دير لي زينيسيال ديال هذوك لي مو اللي يعني باش كيبداو هذوك الكلمات ومن بعد انا كنبقى نعرض هذيك الالفابي في راسي ا بي سي دي او اف مثلا ا بي سي اذا البي هي الاولى او اف جي جي هي الثانيه اش اي جي كا ال ام ان او بي الوغ ان هي الاولى ان عاد بي داكوغ بحال هكا خصك تخدم الوغ كان معكم مراد ونتلاقاو ان شاء الله في التمرين الثاني.